Don't be hit my tech. We ain't really tryna run up a stack. Ain't you know that the gang on the map. We just tryna get out of this trap. If it's beefing, all you up in the strap. Like Brute the Brat. We just tryna get out of this trap. And I carry this pain on my back. Don't be hit my tech. You ain't really tryna run up a stack. Ain't you know that the gang on the map. We just tryna get out of this trap. If it's beefing, all you up in the strap. Like Brute the Brat. We just tryna get out of this trap. And I carry this pain on my back. I know I stay on my grind. And my niggas don't. Salut à tous, c'est Chris Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, nous avons des nouveaux contenus qui sont arrivés dans GTA Online pour cette semaine. Donc c'est pour l'anniversaire de GTA V, car le 17 septembre 2023, GTA V aura 10 ans. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et ce sont les potes, let's go. Donc tout d'abord, en se connectant dans GTA Online, vous allez débloquer les trois tenues qui est la tenue de Franklin, la tenue de Michael et la tenue de Trevor. Donc franchement les potes, profitez-en. Donc vous allez directement dans votre garde-robe, qui veut dire dans votre espace d'habits dans votre appartement. Vous appuyez sur flèche de droite et là tout en bas, non vous allez directement dans tenue, excusez-moi, vous allez dans tenue. Et ensuite, tout en bas, s'écrit « Tenue anniversaire GTA V ». Vous appuyez dessus. Et là, nous avons le pote qui est la tenue de Franklin. Vous allez me dire dans les commentaires, c'est quel groupe de gang qui veut dire le vert. Parce que je ne me rappelle plus du tout. Mais je pense pas que c'est le ballast, hein, ça c'est sûr. Ensuite, en bas, nous avons le criminel repenti qui est la tenue de Michael et pote. Donc, c'est une tenue assez sympathique. Mais bon, c'est une tenue assez classique quand même, mais bon, voilà. Et ensuite, nous avons la tenue qui s'appelle la groupie, qui est la tenue de Trevor. Donc, franchement, les potes, la tenue est vraiment, vraiment très spéciale. Je suis assez fan quand même de cette tenue, car bon, je suis un peu fan de Trevor quand même, donc j'assume. Donc, là, c'est écrit Love Feist. Donc, il y a 4 mecs, etc. Donc, bon, voilà les potes. Donc, là, ce sont les 3 tenues qu'on débloque directement en se connectant dans GTA Online. Mais c'est pas tout. Nous avons ensuite un petit chapeau. Donc, le chapeau de Ron. Vous restez appuyé longtemps sur pavé tactile. Ensuite, vous allez dans style. Ensuite, accessoires. Ensuite, en bas, c'est écrit chapeau. Vous appuyez, vous cherchez le chapeau qui s'appelle chapeau alpine, qui est celui-là. Et ça, c'est le chapeau de Ron les potes. Donc, franchement, les potes, profitez-en, connectez-vous pour juste au moins débloquer quelques petits items un peu rares. Hein, parce que, bon, ce ne sont pas des choses vraiment, vraiment très spéciales. Donc, voilà, c'est le chapeau de Ron qui est vraiment assez sympathique. Ensuite, les potes, nous avons des finitions d'armes. Donc, c'est en se connectant dans GTA Online. Donc vous débloquez les 3 finitions d'armes. Donc vous allez soit dans l'ammunition, soit vous allez dans n'importe quelle armurerie. Donc moi je me trouve directement dans l'agence. Donc je vois le mec flèche de droite. Ensuite nous allons dans mitrailleuse. Ensuite pistolet mitrailleuse. Et ensuite nous avons le finition employé du mois les potes, qui est la finition de Franklin. Donc profitez-en les potes. Donc c'est une motif de cannabis, donc c'est assez sympathique. Ensuite nous allons dans fusil, ensuite carabine. Nous avons la finition de gros plein de fric, donc c'est la finition de Michael. Donc on voit plein de dollars, etc. Donc il est assez sympathique aussi. Vous payez rien du tout, c'est juste en se connectant dans GTA Online, vous le débloquez gratuitement les potes. Ensuite, vous allez juste en bas dans armes lourdes, vous allez dans lance-roquette et là vous débloquez finition oncle T, qui veut dire Trevor les potes. Donc là, vous voyez que ça, c'est une motif vraiment assez sympathique les frérots. Donc il y a des flammes à l'arrière et à l'avant et c'est écrit Love Feist. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Et je crois dans le truc marron c'est écrit Cut Air. Cut Air, voilà. Bon, voilà les potes. Donc franchement ça c'est sympathique. Mais bon, Rockstar peut mieux faire quand même parce que...
Voilà quoi, GTA 5 aura 10 ans quoi, ça fait 10 ans que GTA 5 fonctionne super bien, il n'y a eu jamais de problème, etc. Donc pour le moment, c'est pas très foufou quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche et ce soit des potes. Moi je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao!